comment appliquer son trait d'aligner. Je sais, c'est pas facile, mais je vais vous donner quelques astuces pour réussir à tous les coups. Donc vous avez plusieurs eyeliners différents. Vous avez l'eyeliner feutre qui permet de tracer un trait net et précis. L'eyeliner pinceau qui permet de tracer le trait un tout petit peu plus épais. Et l'eyeliner peau ou en gel qui s'applique avec un pinceau biseauté qui trace un trait un peu moins régulier. Donc technique numéro 1, je l'applique avec mon pinceau feutre. Je vais venir appliquer le pinceau au ras des cils en faisant des petits traits et en les rejoignant ensemble. Je suis ensuite tous mes petits traits de façon à faire une ligne droite. Et donc pour l'application de la pointe, soit j'applique directement mon pinceau en traçant un petit trait ici et en rejoignant vers l'intérieur de l'œil, soit technique infaillible, je prends une carte, je la mets au bout de l'œil et je vais venir tracer mon trait ensuite. Je vais rejoindre ce trait-là vers l'intérieur. Et je colore l'intérieur ensuite. Si je veux un trait un tout petit peu plus épais, je n'hésite pas à repasser au ras des cils. Pour épaissir mon trait. Et voilà, l'eyeliner regard de biche. Autre technique, je prends mon pinceau biseauté avec mon pot eyeliner et je vais venir l'appliquer au ras des cils. Donc, je commence là, cette fois-ci, vers l'extérieur, toujours en faisant des petits traits. Je tire légèrement. Pas trop, si vous tirez trop, vous avez tendance à appliquer l'eyeliner de façon plus épaisse, donc ne tirez pas trop. Et là, vous allez venir rejoindre donc ensuite le trait que vous avez, les petits traits que vous avez fait. Voilà, je vais tracer ma petite pointe. Je mets mon pinceau biseauté sur le côté, ce qui me fait une petite pointe. Et je vais venir rejoindre cette petite pointe vers l'intérieur de l'œil. Voilà. Donc, comme je vous avais dit tout à l'heure, ça fait un tout petit peu moins régulier avec le pinceau biseauté et l'eyeliner en gel ou en peau. Maintenant, je vais vous montrer une troisième technique d'application. Donc, troisième technique, je prends un bout de sparadrap que je vais venir appliquer sur la fin de mon œil, vers le sourcil. Attention à ne pas vous blesser. Je prends mon eyeliner, je vais au ras des cils et là la pointe, c'est facile, je suis mon sparadrap, je rejoins. Et là, je vais venir enlever mon sparadrap et ça va faire un trait net et précis. Et voilà. Ensuite, j'applique donc mon mascara.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme vous voyez, j'ai utilisé plusieurs produits. Donc le mascara Marc Jacobs à la fin et donc mon eyeliner que j'ai utilisé et le Make Up For Ever Aqualiner. Vous avez mon pinceau biseauté de chez Sephora pour eyeliner et un eyeliner en peau Bobbi Brown. Donc vous pouvez le trouver aussi dans d'autres marques. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à me demander si vous voulez une vidéo précise pour la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bye bye.